Et bien bonjour à tous les amis, c'est Bojumper, j'espère que vous allez bien. Écouter moi ça fait nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis, j'ai l'honneur de vous retrouver une fois de plus sur du Arc, la série classique bien sûr de la chaîne. Oui parce que bon, vous avez remarqué, il y a beaucoup d'autres séries Arc sur la chaîne, c'est génial hein, c'est génial. Et bien écoutez les amis, ça me fait toujours plaisir comme d'habitude de vous retrouver sur Arc et surtout dans ma petite maison, mon petit chez moi. On s'y sent bien quand même, regardez il fait beau, c'est impeccable, on ressent les températures, c'est excellent, nous on aime bien la chaleur, c'est très bien. C'est moi, j'ai cru voir un triceratops tomber de mon toit. Non, ça devait être un bug, ou peut-être, ouais, ça devait être un bug, je pense. ou avec l'accueil du dinosaure, je sais pas. Et en tout cas, merci beaucoup, les amis, comme d'habitude, pour le tonnerre de pouces bleus, d'abonnements et de commentaires, c'est génial, merci. Et la fois dernière, on avait complètement surkiffé le combat contre l'Alpha Mosasaurus, que je vous invite à voir, au cas où vous ne l'auriez pas vu. Parce qu'à la fin, on avait bien sûr une petite surprise que je peux me permettre de dire explosive. Ça, c'est clair, hein. Je vous invite à regarder. Si vous l'avez vu, bah, franchement, que de bons souvenirs. Alors, les amis, aujourd'hui, on se retrouve sur Arc, alors non pas pour chasser, mais pour tester bien évidemment les items que je n'ai pas encore réellement exploité, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à me dire ouais Furious, tu n'as pas présenté la joute qui est sortie dans la dernière version, enfin dernière version de Arc, là peut-être qu'entre deux à ce moment-là il y en a une autre, parce qu'on sait jamais, ils sortent tellement de mises à jour, et d'ailleurs il y en a une nouvelle qu'on attend, j'espère qu'elle sera sortie, et du coup ça fait que bah forcément je n'ai pas testé la joute, hein, je vous rappelle que la joute c'est un petit peu le truc qui était utilisé par les cavaliers à l'époque, hein, pour faire tomber leur adversaire lors d'un duel, et il y avait aussi également l'appareil photo que je n'ai pas utilisé, et vu que je me suis dit, hey, Furious, t'as 660 points d'agramme, faut que te foutre du monde, hein. Il y a largement moyen d'apprendre autre chose, et effectivement, les amis, on va découvrir ça aujourd'hui. Alors peut-être qu'on découvrira pas tout, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses, il y a beaucoup de choses que je me servirai jamais, genre la cuisine industrielle, ça ne sert à rien, je suis tout seul. Je mange pas pour 10 personnes, tu vois ce que je veux dire. Encore heureux, sinon je serais hyper fat. Et comment dire, il y a aussi lunettes de vision de tour, enfin il y a beaucoup de choses, voilà. Beaucoup de choses qui pourraient m'être utiles. Ça par contre, lunettes de vision nocturne, je vais mettre ça de côté. Quand même, ça peut vraiment me servir. Mais par exemple, le masque à gaz, ça ne me servira à rien. Voilà, ça c'est beaucoup des items pour le PVP. Donc, les amis, alors je vais vous parler donc de la joute. C'était, c'est une des dernières choses qui est sortie tout simplement au niveau des objets sur Arc. Bon après, sauf si vous regardez cette vidéo au moment où il y aura une autre mise à jour. Mais au moment actuel où je tourne cette vidéo, il n'y a pas bien sûr de mise à jour qui nous... Comment dire, nous modifie, on va dire ça. Voilà, la lance de joute, c'est la dernière chose qui est sortie en arme. Voilà. Ensuite, les amis, alors l'appareil photo, ce n'est pas une arme. On s'en est douté, merci Furious. Il me faut la loupe. La loupe, ah, par contre, t'as vu, c'est ça qui est chiant avec les ingrams, c'est que t'es obligé d'apprendre un tel pour apprendre un tel. Par exemple, pour apprendre la baguette de pain, il te faut apprendre la farine, il te faut apprendre si, tu as le rouleau, tu... le four, non, je déconne. Mais c'est vrai que forcément, du coup, ça coûte beaucoup de points en fait. C'est pas l'item en question en général. Heureusement qu'on a pas ça pour les sels, j'ai envie de dire. Heureusement, parce que sinon, on serait complètement ruiné. Parce que Arc, c'est à la base un jeu de multi, hein, vous le savez. Et le canevas, alors je sais pas du tout comment ça s'écrit. Ça s'écrit va. Canevas. Non, ok, je sais pas du tout comment, je suis désolé. une toile, tisse-toile, je sais pas, non. Alors attends, peut-être que, parce que c'est pas le genre de truc que je m'intéresse le plus dans le jeu. Hein. Je vais pas vous mentir, hein, nous, hein, on n'est pas là pour ça. Fenêtre renforcée, trappe, les fenêtres, c'est vrai qu'on s'en est jamais servi. En même temps, ça a rien. Je veux dire, je n'ai pas de joueur qui viennent m'embêter sur le serveur, c'est pas possible. Enfin, sur ma partie solo, je suis pas en serveur, bien sûr. Est-ce qu'on peut la prendre? J'avais cru voir ça. Digicode, c'est pareil, je m'en servirai jamais. Le digicode. Tac, tac, tac. L'arc à poulie, j'ai détesté, j'ai pas apprécié du tout. Bah, j'étais persuadé qu'on pouvait... alors, à moins que ce soit pas sorti. Ah ouais. Équiper, cibler et prenez la photo. Ah, je ne sais pas. Attendez, je vais regarder quoi. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé les amis. En fait, eux, ils ont appelé ça une toile de peinture. Donc, j'aurais pu toujours essayer de la prendre. J'étais mal barré pour ça. Donc, en fait, ouais, c'était déjà là. C'est juste qu'avec l'appareil photo, normalement, on peut imprimer ce qu'on fait. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Mais si c'est pas le cas, les mecs, faites-le, hein, parce que ça peut être génial. Alors, donc, on va apprendre d'abord en premier lieu la lance joute. Alors, est-ce que ça se fabrique dans l'atelier directement ou pas? Parce que je pense... Je sais pas si vous avez dit, mais mon trodon, ça refonctionne. Hein. Je crois vous l'avoir dit. Hein. Il me semble. Hein. Regardez, on va tout simplement regarder. Hop, scoot. We creatures. Et regardez, ça fonctionne normalement. Voilà, c'est regardez, regardez. On a vu, regardez. On voit que là, il y a des petits poissons. Voilà, et on les voit, effectivement, on les voit. Voilà, donc ça fonctionne. C'était bien un problème de chez eux, c'était pas de chez moi, voilà. C'était bien un problème des devs. L'atelier, voilà, non, juste là. C'est plaisant quand même de refaire des nouveaux trucs parce que... bah on découvre, parce que c'est vrai que les dinos et tout c'est cool, mais c'est bien d'avoir aussi des autres items. Alors qu'est-ce qu'il faut? Des silex, des... Waouh!
What the fuck? 100 d'obsidienne, mais les mugs ont fumé. C'est ultra cher, mec. C'est ultra cher. Je peux me balader avec ça? Ouais, au niveau de mon poids, je suis à combien? 174. Non, mais c'est hyper cher. Ils ont... Non, mais attends, ils ont craqué, les devs, là. Ils ont craqué, tu vois. Non, mais c'est hyper cher. Franchement, pour une longue, il y a intérêt que ça vaille le coup. Bah, après, tu dois pouvoir charger quand même avec, j'espère. Tac, tac. Des silex. Bon, ça va. Des fibres. Pff, je vous en parle même pas. D'ailleurs, il y a encore des personnes. Je vous remercie quand même. Les amis m'ont parlé de me dire que je vois toujours dans les commentaires. Ouais, Furious, tu devrais aller voir ton espèce de gorille dedans. Il y a plein de fibres. Les amis, je sais. Merci beaucoup. Je le sais depuis. Waouh! Depuis super longtemps. Je l'ai appris en retard, déjà, effectivement, dans ma série à l'époque. Mais je le sais depuis un long moment. Mais ça va. Entre vous, vous répondez. Des fois, j'ai même pas le temps de répondre que c'est un abonné qui répond à un autre abonné. Et du coup, bah voilà. Merci. C'est gentil. Merci, les amis. Du coup, alors, les lingots de fer métal. Moi j'appelle ça le lingot de fer parce que en anglais c'est iron. Normalement, iron c'est fer. C'est pas métal, c'est métal, je crois, il me semble. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Silex et fibres, ok. On dirait que je fais une recette. C'est la recette pour le mémé. Des silex, j'espère que j'en ai encore. Des fibres, pff, no problem, man. Et des silex, 100 silex, je crois. Oh, il a de la chance. Enfin, j'ai de la chance. Enfin, je parlais du craft, il a de la chance, le craft. Alors, tac, tac, et c'est parti. Oh, ça coûte cher. Ça coûte cher pour une démonstration, mais ça vaut le coup. Ok, alors, la lance de joute. Est-ce que je peux la prendre dans les mains comme ça? Ah, c'est ça, ouais. Tu peux la prendre uniquement sur un dino. Il faudrait essayer avec... avec le loup, ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'il est, mon loup? Parce que bon, avec le Fiomia, ça risque de pas terrible, on va pas se mentir, c'est pas du tout le... Comment dire, le dino pour. Est-ce que j'ai mon loup dans les parages? Il est pas mort quand même. Ah, il est là. Magnifique bête. Omega. Omega, est-ce que... Ouais, je peux, c'est bon, je peux le mettre. Donc je peux prendre la lance avec lui. Fais voir un petit peu. Oh! Papapapapala! Énorme! Par contre, on peut pas... Ah si, oh! Oh, la taille de la joute! Oh, ouais, c'est une vraie joute, quoi. Alors, attendez, on va charger. Il est temps de charger. Par contre, pour le contrôle, c'est horrible. Oh, c'est horrible. En fait, normalement, avec la souris, vous pouvez normalement diriger votre animal, votre dino. Mais là, c'est pas du tout le cas, en fait. Alors, attends, par contre, je déteste ce Siege Jaune. C'est horrible. En fait, c'est pas un bug, c'est logique dans le jeu. Apparemment, c'est comme ça. Attention! Triceratops! Je le fais mal? Est-ce que je l'ai fait mal? Alors, je sais pas. M'ajoute. Alors, à mon avis, c'est peut-être fait que pour faire tomber les joueurs. Par contre, c'est normal que je suis mal là. Attends, j'ai pas dû. Attendez, je veux savoir, je veux comprendre. Attends, je veux descendre. Tu bouges. Ouais, j'allais dire, tu bouges pas, il s'en va. Fais tomber vos ennemis de leur monture. Ah, d'accord. Ouais, c'est bien ce que je croyais. Ça, j'avais vu qu'effectivement, c'était fait pour faire tomber les joueurs. Mais par contre, bah, ne sert à rien pour les dinos. Mais pourquoi il m'a attaqué le Triceratops? Parce que il a peut-être dû prendre quand même quelques dégâts. Ok, oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, moi, ça va servir à rien, mais fallait que je le fasse quand même. Parce que mon but, c'est quand même de vous montrer les nouveautés, hein, bien sûr, de Ark. Ok, donc la joute. Ouais, ça, j'avais cru le voir, mais par contre, je pensais pas qu'on pouvait même pas à peine blesser un dino. Ça, je pensais que c'était, ça allait quand même être faisable, mais malheureusement, non. Bon, c'est pas grave. C'est pas une déception, parce que bon, je suis assez rempli de ressources, donc c'est pas trop un problème. L'appareil photo. Waouh, 240 de cristal. Oh, mais les mecs, vous êtes malades. Ah, la vache, c'est un truc de fou. 240 de cristal. Les perles noires. Et le coup de bol, parce que les perles noires, on a été chercher la fois dernière. On a eu vraiment de la chance, hein, là. Du cristal, j'en ai la masse. Est-ce que je peux avancer comme ça? Ouais, bah non, c'est ça. Furious, tu peux y croire, mon pote. Là, normalement, je devrais pouvoir avancer. Oh, mais heureusement que mon atelier, il est pas loin. Par contre, la sève, ça va être très chiant. Hein. Ah ouais, la sève, ça va être terrible. Ça va être terrible à obtenir. Par contre, je suis full dans l'inventaire. Oh. Ah ouais, là, ça va être horrible. Ça va être horrible. Qu'est-ce que je peux jeter? Ça, je peux jeter... on a de la laine, on a trop de peau. La peau, je peux l'acheter, franchement, n'ayez pas peur, c'est normal. La peau, j'en ai vraiment de trop. Vraiment les amis, vraiment trop. Ensuite, on a dit des lingots. Les perles, c'est pareil, c'est l'horreur pour les descendre. Mais total, hein. C'est un truc de malade.
Les perles, tu peux pas en prendre plus de 100 sur toi, sinon, on l'a vu la fois dernière, t'es immobilisé entièrement. Mais heureusement, j'ai quand même beaucoup de ressources. Ça veut dire, Furious, la fois prochaine, va falloir farmer. Alors, je vais pas vous mentir, ça fait très longtemps que j'ai pas farmé. Très longtemps parce que tout le farming que vous avez vu là, bien sûr, tous les lingots là qui sont restés là-bas, ça a été des jours et des jours et des jours de farming, vraiment. Mais allez, pour les siècles, je suis en train de penser, je peux les faire avec mon centre d'usinage, enfin mon recycleur. Et du coup, ça fait que j'ai vraiment, je dis pas que j'ai pas eu le courage d'en refaire, mais voilà, c'est vrai que c'était quand même long et j'ai surtout épuisé toutes les ressources quasiment de l'île parce que moi je suis pas en. Comment dire, je suis pas en multijoueur et du coup ça respawn pas très bien. Voilà. Bon. Alors j'espère. Après la save, par contre, je ferai une ellipse. Le temps d'aller la chercher parce que ça va être très très long. Là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc on va dire que ça me dérange pas de faire ça. Alors je voulais vous parler d'un truc, les amis. J'ai vu que vous étiez assez nombreux à me parler des boss. Beaucoup d'entre vous m'ont dit pourquoi tu n'utilises pas tes 4 Gigano pour les boss. Alors je l'avais déjà dit. Mais je vais le redire. C'est que le problème, c'est que ça me tente bien. Mais le problème, c'est que. Les deux autres boss que je n'ai pas fait, alias l'immense gorille de la neige et bien sûr le dragon, j'ai envie de le faire à la royale. Tout simplement parce que les amis, ils sont dans un environnement, très sympa. Ils ont un monde à eux-mêmes et le fait de ne pas aller dans leur monde, c'est un peu dommage parce qu'on ne l'a pas fait pour l'araignée. Et j'avoue que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir profiter de ce truc-là. Mais ça, on va acheter, mec. T'as plus besoin de ça. Arrête tes bêtises. On va peut-être, au pire, on le garde sur nous. Comme ça, on met tout ça après. Bah ouais, Furious, c'est une bonne idée, ça aussi. Et du coup, en fait, c'est pour ça que. C'est vrai que j'irais déjà avec mes Gigano, ça serait abusé. Et ça serait logique, franchement, sans déconner. Ça serait carrément logique de pouvoir y aller avec ces bêtes. Mais voilà. Mais malheureusement, je sais pas. Je suis encore en pourparler parce que j'ai peur que si j'invoque moi-même le dragon. Déjà d'une, il va pas attaquer parce que je vous rappelle qu'en Hard Battle, vous avez vu le désastre. Tandis qu'en fait, quand il est dans sa zone à lui, qui est une zone très haute, du coup, il peut s'envoler tranquillement. Ce qui ne sera pas le cas, malheureusement, si je fais spawn dans mon monde. Voilà la raison pour laquelle je ne veux pas prendre mes Gigano. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas prendre nos dinos avec nous. C'est complètement abusé. On s'est embêté à les tame. Les Gigano, c'est très dur à tame, très dur à maintenir, etc. Et je vois pas pourquoi on pourrait pas les prendre avec nous. Donc en gros, voilà la raison, si vous voulez. Donc j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Je reste en pourparler par rapport à ça, mais voilà. On verra à l'avenir. On verra à l'avenir. Ok, bon. Alors les amis, il me reste plus que la sève à obtenir. Donc là, je vais faire plusieurs allers-retours. Je vais attendre que la sève revienne, bien sûr, sur l'arbre et tout. Donc je vous dis à toutes, les amis. Et voilà, c'est bon, les amis. Donc j'ai toutes les sèves nécessaires pour justement. Donc voilà, hop. Récolter et du coup ah voilà c'est bon, je disais ma salaire, il manque encore de la sève. Non mais oh, j'avais fait le calcul pourtant. Alors attention, tac tac et on craft. Allez, on craft. Wouh, c'est bon, j'ai peur, j'ai cru que j'aurais jamais pu le crafter, tu vois ce que je veux dire. Ok, sans dépose là dedans de toute façon il y a de la place. Ok, voilà. Oh, quoi en plus, non, il a une durabilité. Non mais attends, c'est même pas infini. Ah ça c'est abusé par contre, hein. Pour le prix mon pote. Ok. Ah pareil, photo. Yeah, génial. Ah par contre ça fait quoi des screens. Oh, bonjour, je suis un photographe. Oh, attends, je vais enlever ça. Oh le must. Le must ça serait de se mettre. Attends, j'ai une idée. J'ai une idée. Tu vas voir, tu vas voir. Tu vas rire, tu vas rigoler. Attends, où est-ce que j'ai armure, outil. Ok, tac. Alors ça. Ça, ça, ok, ensuite, les bots, je les avais en double, je savais même pas, tu vois, il me manquait un truc là, non. Ok, ça, bon après, tu me diras, le reste, on s'en fout, on peut utiliser un petit peu le, comment dire, le système de, non, c'est vrai que je suis bête, on peut pas, attends, enlève-moi ça, on peut pas le mettre, c'est pour les dinos. Ah, j'ai plus le chapeau. Comment ça c'est que j'ai plus le chapeau. Bon, c'est pas grave, allez, on va dire qu'on va faire ça à l'ancienne. Tac, mais là je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, c'est bon. Ok, regardez ça. Voilà. Bon, what? Qu'est-ce que c'était que ça? Vous avez vu? What the fuck? Il y a eu un bug trop bizarre. Regardez-moi ça. Je suis un photographe de profession. Voilà. Oh, ne bouge pas. Bon, normalement je voulais mettre un chapeau de cow-boy, mais mon chapeau d'aventurier. Oh, ouais, comme par hasard, il y a le brouillard. Ah, oh, bah d'accord. Ah, bah écoutez. Eh bah, les amis, eh. On revient, on voilà, revient. C'est bon les amis, j'ai reload le jeu. Bah oui, en fait, simplement, j'ai quitté le jeu, je suis revenu, c'est bon, il n'y a plus de ciel jaune. Non, parce que ciel jaune, il y en a marre. Donc, attends, je pourrais faire une photo magnifique de mes 4 Gigano. Attends, genre une photo comme ça.
Un petit peu. Oh, c'est stylé. Allez, on zoom, hein. Vas-y, hein. Prends la pause. Ah, par contre, ouais, j'allais dire. Attends, ah, c'est génial. C'est carrément génial, même. Vas-y, fais voir la tête. Ah, c'est de toute beauté. Voilà, je suis un vrai photographe. Là. Par contre, ça fait un petit peu un truc bizarre. Voilà, comme ça. Ok, alors, ça met où les photos? Attends, j'espère que ça les met pas sur le compte Steam. Attends. J'aimerais bien savoir ça les met où les photos. Alors, attendez, donc je viens d'aller voir, les amis. Alors, peut-être que c'est comme je le pense. C'est-à-dire, vous savez, avec la toile. Alors oui, non, parce que là, du coup, je découvre. C'est ça qui est génial, je découvre. Je me suis pas spoil. J'aurais pu me renseigner à fond. Ah, je me suis renseigné, mais j'ai pas voulu me spoil. Alors. J'ai pas voulu tester, sinon j'aurais déjà crafté l'appareil et tout, mais ça aurait pas été cool, on aurait pas eu sens. Donc, alors, de la peau, du... Attends, c'est moi ou quand j'utilise la caméra? Ah ouais, je perds mon bras gauche. Regardez, on a l'impression que je perds mon bras, regardez. Et quand je mets l'objectif, regardez bien mon bras. Vous avez vu, il y a un bout du bras qui, qui décolle, quoi. Allez, hop, vers l'infini et au-delà. Alors, on a dit de la peau. Je crois que c'est ça. Ah, ça pourrait être génial si ça fonctionne comme ça, un peu comme Subnautica, quoi. Alors, de la fibre, de la peau et du bois, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, vas-y, on va en crafter un. Je peux en faire 40. Ça va, ça devrait aller. Normalement, je crois qu'on peut faire que 20 photos avec l'appareil. Donc, alors, un petit peu. Voyons un petit peu. Si je mets ça. Ici. Au niveau. Ouais, là, c'est pas mal. Il y a un genre ici, comme ça. Ouais, ça pourrait être pas mal ici. Regarde, comme ça. Fais un petit peu. Alors, toile. Maintenir la touche. Plus de. Pour plus d'options. Ouais, d'accord, mec, mais il faudrait peut-être prendre le pinceau. Ça serait bien de pouvoir le mettre dessus. À moins que ça soit pas implanté, puis je me gourre complètement. Et dans ces cas-là, ça serait complètement dommage. Mais non, je l'ai pas mis là-dedans. Je crois que voilà, je l'ai mis là-dedans. On va prendre le pinceau. Il faudra aussi pistolet à peinture. Normalement, on peut le faire avec le pistolet à peinture. Ça se trouve, c'est juste pour. Comment? Pour peindre. Ouais. Ok, alors. Charger peinture. Zone de couleur. Ouais, non, c'est bien beau ça, mec, mais. Charger une peinture. Ah! Caméra. Waouh! Ah ouais! Ça fonctionne! Mais en fait, il faut utiliser des colorants! Oh, c'est chiant! Non, mais c'est vrai, quoi! Colorant noir, colorant brun, fourré, argent, ciel, bronze. Oh, c'est vachement rush! Ah, c'est vachement cher! Attends! Attends, 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 attends! On va prendre tous les colorants que j'ai en ai la masse, normalement ça devrait aller. Je crois que j'ai même pris de la poudre, j'ai pris plein de... Ouais, des colorants, j'en ai la masse, tu déconnes. Oh la vache, c'est vachement cher, hein. C'est vachement cher. Je suis sûr qu'en fait, du coup, on peut... Ouais, on peut mettre ça, du coup, sur tout, en fait. On peut mettre ça sur absolument sur tout. Ouais, je sais, voilà, faut grimper. Donc en fait, je suis pas... Je suis trop loin. Je vais mettre là. Ah, comme ça. Ok, bon, c'est pas grave. Je me suis bloqué derrière l'atelier. Alors, je sais pas comment je vais me débrouiller pour... Pourquoi je m'en... Ça me vire à chaque fois, parce que... Je crois que c'est parce que je suis... Ah, attends. Peut-être comme ça. Ah non, mais y'a rien à faire. Je suis trop loin. Je suis trop éloigné. Là, vous me voyez complètement galérer en disant, mais Furious, qu'est-ce que tu fais? Je vais la détruire, je vais la mettre un peu mieux. Je vais la mettre un peu mieux, donc ça veut dire qu'en fait, ça se trouve, on pourrait même poser ça sur un autre endroit en fait. Tac, on va mettre ça là. J'aurais pas assez de peinture, je pense. C'est chiant. C'est embêtant. Vous savez quoi, on va en mettre. Allez, une. Parce qu'en fait, j'aurais bien voulu en mettre une là. Regarde, ouais, genre là. Là, c'est bon. Là. Voilà. Ok. Désolé pour cette galère. Charger une peinture, d'accord, ok. Matériau. Matériau rôti. Ah, il me faut quand même le colorant de forêt. D'accord. Ok, alors bon, alors je vais crafter ce colorant de forêt. Je vous dis à tous. Ok, les gens, c'est bon. Donc j'ai fait le camouflage forêt, bien évidemment, en mode teinture. Voilà, enfin le camouflage forêt, enfin la teinture. Un petit peu colorant forêt, pas camouflage. Tout de suite, forêt, moi je pense, ouais, t'as du camouflage et tout, sniper et tout. Non, non, pas du tout. Ok, donc là, normalement. Non, attends, tu fermes ça. Voilà. On va regarder. Alors, voyons voir un petit peu. Donc là, normalement, si je fais charger une peinture, je fais caméra, je fais sélection. Oh, ça peint vraiment. Bah oui, qu'est-ce que tu croyais? Ok, alors par contre, ça risque d'être un petit peu long, peut-être. Ouais, c'est en train de peindre, ok. Oh, ça va, ça coûte pas tant cher que ça, en fait. Ça a l'air d'aller, bon, ça mutile. Par contre, en fait, ça coûte pas cher au niveau des colorants, mais... Enfin, au niveau de...
La quantité qu'ils prennent, ils prennent un seul colorant, mais par contre, c'est énorme. C'est énorme le nombre de colorants qu'il faut. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Allez, vas-y, continue. Allez, voilà. Énorme. Et là, je fais fermer. Ah oh c'est pas très représentatif de ce que j'ai pris en photo, mais bon. Mais c'est bon, allez, c'est stylé, on va dire quand même. Hein, on va pas taper sur l'ambulance comme on dit. Ouais. Allez, on va dire que c'est bien. Franchement, pour un jeu, c'est plutôt pas mal. Mais ça aurait été plus stylé un screenshot. Mais ça reste une peinture, c'est logique. Ça reste une peinture. Ouais. Au final, ils ont raison. Hein, c'est moi qui dis des bêtises. C'est très sympa. Très sympa. C'est très sympa, très sympa. Par contre, c'est vrai que du coup, si je veux prendre par exemple une photo de ma maison, ça j'ai toujours trouvé ça marrant, les gens qui prennent en photo leur maison et qui la mettent dans la maison, tu vois, le cadre, tu vois. Donc au final, tu sortais chez toi dehors, tu la vois très bien ta maison. Mais je raconte ça. Hein, excusez-moi, vous avez fait ça vous aussi? Non, je plaisante. Hein. Mais voilà. Attendez, j'aimerais bien avoir une vue d'ensemble de mon parc. Ah là là. Ça m'a fait trop rire. Alors, avant qu'il fasse nuit, ça serait bien de faire une autre photo quand même. Je suis le photographe. Là, si je fais une photo d'ensemble comme ça, mais ça va tellement être pixelisé, ça va être un truc de fou. Voilà, une vue d'ensemble comme ça. Là, j'ai une vue incroyable sur mon parc. Je sais qu'on pourrait encore faire mieux, les amis, mais après, on risque de rien voir. Voir un petit peu. Ah ouais. Ok, donc on va essayer de pas tomber quand même. Alors le mieux ça aurait été qu'il se mette sur le côté, parce que là il est en train de me gêner à mort. Voilà, comme ça. Voilà, là comme ça je ne verrai pas la plaque. Voilà, comme ça, ok. Hop, voilà, c'est dans la poche. Merci Truc. Ok, on descend. Bon là par contre je suis pas sûr qu'on peut tout simplement s'amuser à peindre. Parce que à mon avis, je pense que ça va être très compliqué, étant donné que là, il y a beaucoup de couleurs. Après, je pense que ça doit dépendre vraiment de la couleur, hein, du nombre de couleurs qu'il y a présent sur la photo. Hein. Je pense. Ça serait logique, dans un sens. Ça serait logique. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Au-dessus de la maison? Non, ici, ça va être les trophées. J'avais pas un plan de bataille, ici? What the fuck? Mais il a dû bouger, c'est pas possible. Tac tac tac. Qu'est-ce que je pourrais décorer? Où est-ce que ça manque de trucs sur les murs? Parce que là, ouais, non, en vrai, ici, il y a tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de verre, donc c'est aussi un peu le but. Peut-être. Ouais, ici, j'y ai pensé. Là, non, bah non, là, ici, du coup. Je sais plus où est-ce que j'avais un plan de bataille. On pourrait le mettre là? Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être sympa ici, regarde, genre là. Voilà, et là, on fait un petit coup de pinceau. Par contre, là, il y a pas marqué le. Voilà. Ah bah c'est bon, on a ce qu'il faut. C'est bon, c'est la même chose, c'est la bonne chose. Waouh, j'ai eu trop peur. J'ai cru que j'avais repeint à nouveau le truc des Ginatosaurus. J'aurais été grave deg. Ah, ça a l'air, la couleur a l'air ouf, hein. Mon dieu. Mon dieu, la couleur. En plus, c'est lui qui propose les colorants, hein. C'est pas comme si c'était moi. Bon après, voilà, ça reste une peinture, mais c'est bien fait quand même. C'est bien fait, c'est sympa, ça peut... on peut avoir plein de souvenirs comme ça. Alors, je vous ai pas parlé d'un truc aussi, mais il y a eu l'event de la Saint-Valentin qui est toujours présent. En gros, si vous voulez, c'est assez ouf d'ailleurs. Parce qu'en gros, moi, mon event de Saint-Valentin, ça a toujours été le cas. En gros, je crois la vitesse de... Comment dire, d'éclosion de l'œuf et tout, je crois que c'est multiplié par 2 ou un truc comme ça. Ça peut arriver quand il y a un accouplement entre vos dinos qui puissent lâcher tout simplement une boîte de chocolat et dedans, avec la boîte de chocolat, si vous voulez, en gros, quand vous pouvez, du coup... bah, attendez, on va aller voir la photo après, regardez, je vais vous montrer tout de suite. En gros, voilà. Dans la marmite, on peut tout simplement crafter des box de chocolat. Voilà, et ça peut donc débloquer des... Alors là, Animote, là, une facial hairstyle, donc c'est les cheveux, et head hairstyle, voilà, c'est un peu le même style. Et apparemment, avec les boîtes en chocolat, donc soit vous utilisez pour obtenir justement ces emotes-là, apparemment, normalement, vous pouvez aussi les donner au niveau du timing à un dino. Et ça, tout simplement, ça remplira à 50%, je crois, la barre de timing, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être énorme aussi. Donc voilà la photo, c'est pas trop mal. C'est assez beau avec les nuages, mais c'est pas très représentatif de mon parc, mais why not, hein, j'ai envie de dire, le Gigantosaurus, c'est pareil. Lui, à la limite, on voit bien, mais là, le parc, waouh.
C'est un truc de malade, hein. Mais voilà, hein, j'ouvre ma boutique, hein. Mais c'est beau quand même, c'est très sympa pour décorer, je trouve que c'est très joli. Très très joli, quand vous avez beaucoup de colorants comme moi, ça peut valoir le coup. Du coup, pour les chocolats, je pense pas que j'en aurai parce que... Bah moi déjà, il y a plus aucun complément qui est possible entre mes Gigano parce que ça fait trop longtemps. Mais bon. Alors, par contre, la moustache, j'aimerais bien la couper. Est-ce que je peux avoir mon... C'est dommage parce que on n'a pas encore... Il y a beaucoup de... Comment dire? Oui, je me suis renseigné là-dessus. Il va y avoir beaucoup de nouveautés à propos de justement des coiffures, les amis. Hein, c'est... J'avais dit, ouais, mais c'est dommage, on peut pas faire grand-chose. Mais en même temps, c'est parce qu'apparemment, ils ont pas fini. Donc je m'attendais vraiment à ce que ce soit déjà terminé. Mais c'est pas le cas. Ok, alors est-ce que... Pourquoi les cheveux... Ah, je peux mettre des colorants dans les cheveux sans deck. C'est horrible. Moustache. Défaut. Ouais, en fait, on n'a pas encore le choix. On n'a pas encore le choix au niveau de la moustache. Hein. Initialiser. Ah ouais, on peut mettre une moustache violette. Oh, mais c'est un truc de fou. On peut se colorer les cheveux, quoi. Ça, vraiment, j'étais pas au courant. Oh, c'est... Bah, c'est pas terrible, mais... on peut se colorer les cheveux. Ok. Très stylé. Par contre, la moustache, j'aimerais bien l'enlever un de ces quatre, hein, parce que j'aime pas trop la moustache. Je suis pas fan. Par contre, la crête est vraiment pas mal. J'avoue que c'est vraiment pas mal. Bon, par contre, je me demande pourquoi il n'y a plus mon truc de bataille, là. Non, mais oh, j'en avais fait un, pourtant, ça reste pas indéfiniment, ce truc-là. Il me semble que si. Il me semble bien que si. Bon, alors, du coup, résultat des courses, l'appareil photo, plutôt sympa. J'avoue que c'est très sympa, c'est très cool. J'avoue que là, j'étais assez surpris par rapport à ça. Ça fait vraiment... Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a effectivement une vraie toile. J'avoue que... Au début, j'aurais préféré que ça soit un screen, je m'attendais à un screenshot, mais au final, ça rend plutôt bien parce que ça reste quand même une peinture et j'avoue que c'est un petit peu le but du truc, j'ai envie de te dire, hein. Ça c'est clair. Eh ben écoutez, eh ben les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors j'avoue qu'aujourd'hui, on n'aura pas fait le timing, on n'aura pas chassé tout, mais ça fait du bien de faire une petite pause objet quand même parce que les devs nous sortent des trucs, c'est quand même bien de regarder un peu ce qu'ils nous ont sorti. Et puis j'ai eu pas mal de commentaires en disant que ouais, c'est bien et tout quand tu chasses tout, mais on aimerait bien que tu montes un peu les nouveaux objets. Et du coup, les amis, eh ben voilà, je vous ai fait cet honneur. Eh ben écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça va être toujours plaisir, ainsi que vous abonner à la chaîne et partager bien sûr la chaîne et la vidéo, ça me ferait également très plaisir. Merci à tous, les amis, c'était Pure Japper et on se retrouve très bientôt pour du arc et normalement une nouvelle mise à jour. Salut! Les amis.